Moi, je vous comprends, j'ai reçu tous vos messages, j'ai vu vos tweets, j'étais avec Piqué là. J'étais avec Piqué, je vous comprends à 200 000%. Les refs, j'ai parlé avec lui, je lui dis, regardez ce que vous faites, comment vous nous accueillez. Depuis le début, on ne dit rien. Parce qu'on va retracer tout le parcours. On va pas parler que d'aujourd'hui. Regardez, on va parler clairement. On arrive, problème de try-out. Je vais parler français, les gars. J'ai pas dit certaines choses, je vais les dire maintenant. Parce que je me suis dit, vas-y, le bien de la compétition. Vous allez voir pourquoi j'ai eu des problèmes, pourquoi j'ai eu des retards, pourquoi Adil Rami, pourquoi machin, vous allez comprendre. Le premier try-out. Le premier try-out, on le fait. Je vois des TikTokers. Les seuls mecs que j'ai ramenés, c'est Tiki, Alonz et Yanou. Pour le divertissement, je leur ai dit, allez-y, on va rigoler, ça va être marrant. Voilà. Je vois des TikTokers, des YouTubeurs foot. Alors que dans mes DM, il y a des vrais footballeurs qui m'envoient des messages et qui me disent, mais frérot, on s'est inscrit au try-out. Hâte de se voir là-bas, j'espère qu'on y sera. On fait les try-outs. Je reçois. Attends. M'en bats les couilles. Attends, je m'en bats les couilles. Attends. Eh, on fait les try-outs. Je reçois des messages pourquoi je suis pas venu, machin. Des mecs Ligue 1, Ligue 2, machin, Ligue 1 Turc, Ligue truc. Et je vois des TikTokers, des YouTubeurs. Aucun mec en dehors de la France. Ils ont sélectionné qui ils voulaient. Ça nous a fait prendre quasiment 10 jours, 2 semaines de retard pour faire la sélection des joueurs. Ça nous a baisé déjà au début. Déjà au début, ça nous a baisé. Désolé du terme, hein.